reborn. Wow! Bonjour les amis, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. En tout cas, moi je vais bien. Grâce à Dieu. Dormir, se réveiller, ce n'est pas facile maintenant. Parce que les gens qui s'amusent à venir nous visiter. Ha! Qui te poursuit la nuit? Qui vous poursuit la nuit? Qui? Le savez-vous? Ha! Si ce ne vous est pas arrivé, vous penserez que c'est de la blague. Ouais. Mais quand ça vous est arrivé une fois, là, vous êtes sans mots. Juste sans mots. Je prie que ça ne vous arrive jamais. Parce que c'est une expérience qui vous permet de voir la mort en face. C'est là que vous comprenez que sur la terre ici, nous ne sommes pas seuls. Il y a des mauvais esprits. Des esprits mauvais. C'était les appels des esprits maléfiques. Les esprits du mal. Ha! Parce qu'il est froid. D'autres pensent que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Et que ce sont des individus qui vous fréquentent qui sont derrière tout ça. Et vous? Avez-vous déjà été poursuivi la nuit? Ha! Mon ami, écoute-moi bien. Si toi tu vis ces choses, vraiment, courage. Je vais essayer de te donner une solution. Comment j'ai fait pour sortir d'une telle situation? Ah! Comment vais-je vous l'expliquer? Vivre la chose et entendre cela, c'est différent. Si je vous explique ça comme ça, genre pour dire, oh, écoutez, je vais vous définir ce que signifie j'ai été poursuivi la nuit. Non, ce serait vraiment un peu difficile. Mais je vais essayer de vous dire quand même quelque chose. C'est une situation qui ressemble à quelque chose du genre où comme de la réalité où les gens sont vraiment en train de vous poursuivre. Et on vous poursuit sérieusement. Et vous courez aussi sérieusement. Comme ça se passe en songe, quand ça ne se passe dans le sommeil, quand vous êtes là et que vous vous retrouvez dans cette situation dans le sommeil, je vous assure, à un moment donné, vous oubliez que vous êtes en train de dormir et que vous êtes dans un rêve. Ça devient réel comme ça. Ça devient réel comme ça. Comme tu peux me toucher. Ça devient réel. Et tu cours sérieusement. Et il arrive un moment donné que tu cries. Parce que tu peux même crier. Ah! J'appelle le nom de tous tes voisins du quartier. Tu t'appelles le nom des concours du quartier que tu connais. Tous ceux qui t'ont concours. Mais là, tu es sérieux. Hein? Tu ne ris pas. Parce que tu as l'impression qu'on te couvre vraiment et que si on t'attrape, quelque chose de mauvais risque de t'arriver. Et c'est ce qu'on appelle qui te poursuit la nuit. Ouais, qui vous poursuit la nuit? C'est ça. Qui sont les personnes derrière ça? Moi, je vais essayer de vous dire un peu. Un peu. Ce que vous devez savoir aussi, pour commencer, si vous avez remarqué que ça vous arrive souvent, même très souvent, c'est-à-dire du lundi au dimanche, si toi à chaque fois que tu t'endors, on te poursuit seulement là,
Ah, mon frère, ou bien ma soeur, écoute-moi bien, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et retiens son nom. Je dis, donne ta vie à Jésus-Christ et retiens son nom. En cas de cas, dès que on commence à te pousser la nuit, là, il faut crier Jésus, c'est tout. Ouais. Seul le nom de Jésus-Christ peut te sauver d'une telle situation. C'est son nom qui peut faire ça, il n'y a pas un autre nom, sinon il allait vous le dire. Tu dis Seigneur Jésus-Christ au secours, tu dis même Jésus, tu n'avais pas fini de dire Jésus, tu vas voir que tes ennemis ont pris la fuite. En général, ça se passe comme ça, mais beaucoup de personnes négligent ça souvent. Moi, quand ça m'est arrivé pour la première fois là, non, je pouvais voir des gens autour d'un arbre, les gens étaient habillés en noir, comme les satanistes, vous voyez les satanistes, les occultistes là, dans leur loge là. Ils sont habillés en noir, ils ont porté des trucs à cagoule, ils appellent le nom des gens, ils appellent les choses, ils vous cassent, vous les... Je dis, mais what? Et je pouvais voir ça. Ils étaient autour d'un arbre. Et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait, c'est pourquoi je les ai vus. Ça veut dire qu'il y a des pouvoirs mystiques ici. Sur cette terre, il y a des pouvoirs vraiment très dangereux. Des pouvoirs même trop dangereux. Même plus dangereux que dangereux, vous devez me croire. Ce sont des pouvoirs mystiques. Des gens sont animés d'un esprit maléfique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le diable est descendu sur la terre, non? Mais Dieu l'a chassé, c'est pourquoi il est descendu ici. Mais quand il est descendu ici, là, non? Il y a des gens comme nous, des humains comme nous, qui ont décidé d'aller... causer avec eux, causer avec le diable et ses démons. Mais quand ils sont allés causer avec le diable et ses démons, ils ont reçu des pouvoirs de voir même derrière. Il est là, il regarde devant, il est là, il regarde ici, hein. Il a un œil qui est passé sur sa nuque, il voit derrière. Et le diable a donné des pouvoirs mauvais, des mauvais pouvoirs qui n'est que là pour détruire la vie des gens. Et eux là, pour pouvoir réussir, pour devenir fort, même très fort dans ce qu'ils sont en train de faire là, il faut faire du mal, plus de mal, plus de mal. Donc ils seront tranquillement assis chez eux la nuit, hein, pendant que vous êtes en train de dormir, eux à minuit, 4h du matin, ils sont quelque part là, ils sortent de leur corps, et puis ils viennent vous visiter. Quand ils sortent de leur corps, hein, et puis ils viennent vous visiter, et qu'ils soient arrêtés dans votre chambre, vous, si Dieu est vraiment gentil avec vous, Dieu va vous aider. Il va vous permettre de le voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous serez profondément endormi et vous aurez l'impression d'être réveillé. Et vous serez en train de voir tout ce qui se passe en ce moment-là même autour de vous, même dans la chambre. Mais en ce moment, vous ne savez pas trop, vous ne savez pas que quand vous vous endormez, que vous voyez cacher dans votre sommeil, que c'est réel. Vous pensez que c'est un jeu. C'est pourquoi le diable profite de ça souvent. Il se dit que les gens pensent que c'est un jeu. Ils ne croient pas à tout ce que Dieu leur montre. Donc il va bien rigoler avec vous. Donc le sorcier sort de son corps, il vient. Il est dans votre salon. Ou bien il est dans votre champ. Et il est là et vous regarde comme ça. Il est là et vous regarde. Pour certaines femmes ou bien certains hommes, aïe, 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 c'est un problème qui arrive souvent. Là, là, que se passe-t-il? Genre, si c'est un homme sorcier qui a sorti son corps, et que lui va vers une fille ou bien une femme, il va chercher à coucher avec elle. Quand lui sort son corps chez lui, il va coucher avec une fille qui n'est pas là-bas. Ou bien une fille, une femme sorcière sort de son corps, elle va coucher avec un homme. Ça, là, en général, là, les gens appellent ça comment? Mari de nuit et femme de nuit. Quand on dit femme de nuit et mari de nuit, là, les gens ne pensent pas que des hommes sorciers peuvent faire ça. Parce qu'on sait qu'en général, ce sont les démons, non? Les gens disent que les sirènes des eaux, les démons, comme ça. Mais que se passe-t-il quand un sorcier sort son corps pour venir vous visiter? C'est pourquoi vous ne devez pas permettre certaines choses. Si vous vous endormez et que vous voyez que des choses dans votre sommeil, du genre, une fille vous attire, là, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ça va couper cette histoire, ça va couper. Si vous en avez encore, ça va bien, là. Réveillez-vous encore.
Elle va partir. Trois fois, j'ai arrivé encore là. Prenez chicotte, venez à côté de vous. Quand vous allez vous entendre, vous allez vous retrouver chicotte dans la droite sommeil là-bas pour vous aller la poursuivre. Parce que vous ne devez pas, tu ne devez pas permettre à cette fille-là de vous approcher. Si elle s'approche de vous, hein, vous allez commencer à avoir des sentiments bizarres. C'est là que les gens se réveillent le matin et ils se retrouvent mouillés. Genre, la fille-là, elle a l'impression qu'elle a couché avec quelqu'un dans son sommeil. Bon, elle a couché avec quelqu'un la nuit, mais elle ne sait pas qui, parce qu'elle était dans la maison. Mais elle se souvient juste de cette image où elle voyait quelqu'un comme ça. C'est ça le gars. Là, le gars, là, il va se réveiller tout mouillé. Il va se dire, mais ah, pourquoi suis-je mouillé alors que je n'ai rien fait? Il va dire, ah, mais attends, ce que j'ai vu dans mon sommeil, c'est pas quand même réel. Comment est-ce que ça s'est passé comme ça? En fait, il a du mal à y croire. Mes frères et sœurs, si vous poussez la nuit, je vous dis, je vous répète encore, appelez Jésus. Ceux qui vous poursuivent la nuit, là, ce sont les sorciers. Après les sorciers, là, ce sont les démons. Mais les démons passent beaucoup par les sorciers parce qu'ils les possèdent déjà, donc eux, ils font leur job. Si vous voyez les animaux vous poursuivre la nuit, là, hein, ne pensez pas que ce sont vraiment des animaux. Ce sont des démons qui sont dans ces animaux-là. Au pire des cas, hein, ce sont des sorciers poursuivis par des démons qui sont venus faire ça. Et s'ils sont auprès de vous, dès que vous serez en train d'être poursuivi la nuit, là, eux seront déjà même au courant de ce qui se passe. Parce que ce sont eux qui sont à la base. La journée, vous allez vous réveiller, vous vous regardez d'une manière bizarre. Si vous avez appelé Jésus et puis le fait de descendre sur eux, là, le matin, quand vous allez vous réveiller, de la manière dont vous venez vous insulter, vous insulter. Il va dire, pour rien, tu vas commencer à te chercher des histoires. Toi là, pourquoi est-ce que tu me fatigues? Je dis, mais ah, comment est-ce que je te fatigue? Je te fatigue comment? Comment est-ce que je te fatigue? Je te fatigue comment? Mais vous ne comprenez pas. Je dis, mais ah, hier on s'est bien entendu, pourquoi ici aujourd'hui le matin là, tu t'es battu comme moi? Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit, mon ami? Cette personne a été visitée la nuit, tu as mis le feu sur elle. Donc comme c'est chaud là, elle vient le matin pour dire, toi là, fais attention ce que tu fais là. Fais attention de même sur moi. Ça, ce sont des choses qui sont bien réelles. Bien réel. Quand je parle de ça, vraiment, ça me choque un peu parce que il y a des gens qui meurent dans ça, mais de rien. Il y a des gens qui meurent dans ça. Mon frère, accroche-toi à Dieu. Ma soeur, accroche-toi à Jésus. Prie avant de dormir. Prie avant de dormir. La vie, c'est un combat. Même dans ton sommeil, tu te bats encore. Le matin, tu vas aller lutter pour voir ton diable. Tu vas aller dormir encore. Tu vas lutter encore pour te réveiller le matin. Ah! On a même fait quoi? Hein? On a même fait quoi? C'est ça la vie. Il faut être fort. Dieu nous a dit, soyez fort et courageux. Soyez fort et courageux. C'est parce qu'il a vu. Il a vu ce qui se passe. Si c'était là où nous sommes là, il y a toutes sortes de différentes choses. Est-ce que vous êtes au courant? Il y a la sorcellerie, on le sait. Il y a le satanisme, on le sait. Ouais, il y a les fétiches, on est au courant. Mais il y a toutes sortes de magies bizarres. La magie rouge, la magie verte, la magie violée, la magie orange. On est même dans quoi? Si ce n'est pas Dieu, hein, et le Saint-Esprit, hein, ce serait même chaud. Ah! Imaginez-vous-même. Vous vous levez le matin très tôt. Vous allez travailler. La nuit, vous venez. On vous pousse encore la nuit. Vous allez faire comment? Matin, midi, soir, 24 sur 24, je peux m'entendre bien. Qui? Non, c'est pas possible. Dis ton ami qu'à côté, ça peut pas se passer comme ça. C'est là que tu dois te lever maintenant dans la prière. Mets-toi à genoux et dis, Seigneur Jésus-Christ, pardon, viens faire mon combat. Viens faire mon combat. Tous ceux qui me poursuivent la nuit, là, toi, il faut les poursuivre. Voilà. C'est comme ça que tu fais ta prière. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Parce que ceux qui viennent contre toi, là, eux, ils parlent et puis c'est ce qu'ils font. Donc, faites attention à ça. Qui te poursuit la nuit? Aujourd'hui, tu as ta réponse. Ne te laisse pas faire. Ha! Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions. Et je vais réagir dans la prochaine vidéo. Soyez prêts et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Si vous avez compris, un seul j'aime suffit pour nous informer. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci frère et soeur d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous pouvez abonner sur votre chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci frère et soeur pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.